arrive 1987. 1987 marque l'année internationale des sans-abri. Rock et Belles Oreilles remédie à la situation en s'achetant un luxueux condo. Le toit du stade olympique est enfin installé. Il s'agit de la plus grande surface jaune orange au monde, suivie de près par la chanteuse Marie-Denise Pelletier. 6 février, 6 heures. Sortie du journal le matin. 6 février, 13 heures. Lecture du journal le midi. 6 février, 20 heures. Fermeture du journal le soir. Le salon nautique remporte cette année un succès sans précédent. Crash. La bourse de New York s'effondre en apprenant le retour des carnets de Louise. Immigration. Des centaines de réfugiés étrangers traversent illégalement nos frontières. Des Tamouls, des Sikhs et des cavaliers traces.